Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et nous retrouvons donc l'Olympique Lyonnais contre le Dynamo Zagreb. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Salut Grégoire, toujours un plaisir de commenter un match avec vous. Alors que retentit l'hymne de l'UEFA Champions League. Et coup d'envoi de ce match. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Ça va vite. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est à distance de tir. Énorme occasion. La faille dans la défense. Yanga Mbiwa et ce magnifique tacle glissé. Nkoulou. Raphaël. Un long ballon vers l'avant. Ce sera un centre. Sans se poser de questions. Pas hésiter, c'est propre. C'est joué long, attention. C'est bien fait, ça. Et ça va vite sur l'aile gauche. Il remporte son duel. Il peut en profiter. Il tire. Oh là là, la feinte devant le gardien pour voir sa réaction. On la voit quand même pour tenter un tel geste. Le tableau d'affichage reste gelé, 0-0. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Il progresse encore. Le ballon sort en touche. Oh, l'occasion! Oh, le but! But pour l'Olympique Lyonnais! Et voici l'ouverture du score. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Bien, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Paulo Machado. Bonne interception sur cette passe en profondeur. Il glisse le ballon en profondeur. Marcelo Henriquez. Raphaël. Paulo Machado. Tire.
toute la défense. Angel Henriquez. Va-t-il en profiter? Il joue dans l'espace. Il file vers le but. Raphaël. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Et ils méritent de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'ils continuent comme ça. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Transversal. Et le ballon qui passe de l'autre côté. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça joue long pour trouver la faille dans la défense. Paulo Machado. C'est joué long, attention. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Quelle passe. Paulo Machado. Quelle course sur l'aile droite, mais il faut l'aider maintenant. Il glisse le ballon en profondeur. Godalon. C'est puissant sur l'aile. Bonne lecture de la trajectoire. Fait prendre sur un ballon anodin. Oh là, c'est chaud, quel tacle! Il faut faire les bons choix. Quelle inspiration! Oh, la grosse occasion! Il a trop attendu, là. C'est ce qui arrive quand on reste entre deux chaises, n'est-ce pas? L'entraîneur n'a toujours pas fait de changement, ça va peut-être venir. Ils obtiennent un coup franc. Dégagement du gardien. Encore une bonne intervention. Quelle solidité, bien joué. Oh, il espérait ce ballon. La défense bien présente. Le voilà servi. Le gardien loin devant. L'interception au bon moment. Il garde ce ballon dans la profondeur, sur le côté. Il a du champ sur le côté. Il cherche un coéquipier. Et sont en réussite parce que là c'était chaud. L'Olympique Lyonnais qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Ils peuvent contrer. C'est bien ce qu'il fait là. En retrait. Quelle solidité, bien joué. Longue ouverture. Il tente de la jouer dans l'espace.
Il était bien présent. Paulo Machado. Là, il y a un vrai engagement. Il adore aller au duel. Les défenseurs adverses sont prêts. Oh, il est parti là. Il a pris tout le monde de vitesse. Oh, le but. Oh, c'est bien parti maintenant à ce moment du match. Ça commence à sentir très très bon. Il aurait peut-être pu tirer de plus loin, mais il a dû se dire, tant qu'à faire, autant se rapprocher. C'est vrai, c'est plus facile de marquer de près. Ouais, ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Pas de soutien, il y va seul. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Bon, ils nous ont régalé. Franchement, cette équipe nous a enthousiasmés. Et l'entraîneur, regardez, est bien sûr fou de joie. Il n'est pas le seul. C'était un bonheur absolu.